L'OM pique sa crise. Les Marseillais pointent à la 17e place du classement général après leur défaite contre Rennes samedi soir. En 5 matchs, ils n'ont engrangé que 3 points. Alors, le championnat est-il déjà perdu pour les joueurs de Didier Deschamps? Yann Théroux, journaliste européen, nous livre son analyse au micro de Stéphane Burgat. De toute façon, il va y avoir un retard qui sera très difficile à rattraper. Ça, c'est une certitude. Et puis, il y a une crise de confiance, je pense, parce que cette situation-là, elle est partie dès le début de la saison. Et il n'y a pas le moyen pour l'Olympique de Marseille de se raccrocher à quelque chose pour l'instant pour retrouver des valeurs. Donc, il faut en même temps retrouver des valeurs et en même temps arranger la situation comptable. Ça fait partie des situations très difficiles qui ne s'expliquent pas toujours. C'est une sorte de cercle vicieux et il faut impérativement stopper cette spirale.